Salut les amis photographes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler en fait du portrait américain. Donc le portrait américain, c'est un plan qui est également appelé plan 3 quarts. Et en fait, il est ultra commun en fait de manière générale en photographie de portrait. Parce que, ça a été assez inscrit dans les normes, etc. C'est un portrait en général qui permet un bon équilibre entre l'importance du modèle et l'importance de l'arrière-plan. Donc c'est assez sympa. Au contraire, le plan pied, on voit pas mal d'environnement. Et par exemple, le gros plan, on voit trop de sujets. Donc du coup, le portrait américain, c'est un bon mix entre les deux. Et donc, c'est pour ça que ça a été assez commun. En plus de ça, il est assez harmonieux de manière générale. On voit on coupe grosso modo le sujet à partir des mi-cuisses à peu près, à partir de la ceinture grosso modo. Et donc du coup, on voit une bonne partie du modèle. Et donc c'est en général un portrait qui est assez agréable à visualiser, qui est assez agréable pour l'œil humain. Pour la petite anecdote, en fait, il est également appelé comme ça parce que à l'époque des westerns, etc., ce plan-là, il permettait de voir le revolver du cow-boy. Et donc, du coup, c'est un portrait, on a dit portrait américain parce que du coup, il permettait de voir grosso modo juste de la tête du modèle jusqu'à peu près à son revolver. Et donc, du coup, ça donnait une bonne impression. On avait un bon visu sur le modèle. Et donc, ça donnait quelque chose d'assez facile à visualiser. Donc voilà, donc du coup, le portrait américain, il est vraiment très récurrent. Il est assez cool également parce que le portrait américain, il peut être utilisé pour des modèles minces, mais également pour des modèles qui ont un peu plus de rondeur. Par exemple, le portrait plein pied, c'est un modèle qui, on va dire, il s'adapte un petit peu moins bien justement aux modèles qui ont un petit peu des formes, qui sont assez enrobées, on va dire. Donc c'est pas forcément valorisant de faire un portrait plein pied dans ces cas-là. Donc voilà, alors que le portrait justement américain, il est vraiment top pour ce genre de choses parce qu'il est quand même valorisant, même si la personne a des formes, etc. Donc vraiment, donc portrait américain plan buste, c'est plus ou moins rapproché. Et donc du coup, ça va être bon pour tous les types de modèles. Donc en général, on voit bien vraiment son visage, etc. On voit bien le haut de son corps. Mais voilà, on cache quand même, on n'a pas en vue, grosso modo, tout ce qui est jambes, les mollets, etc., les cuisses, etc. Grosso modo, voilà, l'accent est quand même plus mis sur le modèle, même si on voit quand même l'arrière-plan, mais l'accent est quand même plus mis sur le modèle, par exemple, à comparaison, effectivement, d'un plan italien ou d'un plan plein pied. On voit quand même, on voit quand même de l'arrière-plan hein, avec le portrait américain, mais voilà, on n'est pas du coup au même, c'est pas du tout pareil, c'est pas représenté de la même manière que pour un plan pied. Là, par exemple, vous me voyez actuellement, je me coupe, là, c'est un plan buste, donc là, on voit du coup. Donc là, je vous fais pas en direct parce que moi, j'ai pas un appareil qui fait l'autofocus en continu. Mais du coup, voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je mettrai des exemples dans la vidéo. Mais du coup, voilà un petit peu le plan américain. Donc le plan américain, voilà, ça s'est vraiment démocratisé. Voilà, donc le plan américain, c'est ultra commun hein, comme type de portrait. Et donc voilà, du coup, c'est vrai que c'est assez sympa. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Moi, le plan pied et le plan portrait américain, c'est vraiment les deux que je préfère. Donc voilà, je trouve ça vraiment très sympa. Et donc voilà, c'est vraiment la valorisation pour la plupart des choses. Si on a envie de représenter, si on a envie de dire du coup une focale qui sera adaptée, on va dire c'est à peu près le 50 mm, 85 mm. Donc ça sera grosso modo les deux types de focales qui seront vraiment adaptés pour ça. Même si vous pouvez faire un portrait américain avec un 28 mm ou bien vous pouvez faire un portrait américain avec un 200 mm. Il n'y a aucune règle dans la photographie. C'est juste des valeurs qui permettent d'avoir une idée de ce qui est plutôt sympa ou pas en termes de. Enfin voilà, on est proche ou pas. Donc voilà un petit peu pour la photographie de portrait, enfin le plan américain. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des plans américains, c'est vraiment très sympa comme type de photo. Ça convient à la plupart des modèles. Hein. Et en général, c'est assez valorisé et c'est assez valorisant. Voilà, écoutez les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo rapide vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!